Salut les sbires, ici Glink et aujourd'hui j'ai reçu un gros colis. Alors on va l'ouvrir ensemble. D'ailleurs, comment ça se fait que c'est déjà ouvert là? Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ce gros colis? Donc c'est un achat eBay. Essentiellement du Wizard. Beaucoup de Wizard. Et je fais tomber, je fais tout tomber. Et ben en fait, je vais sortir et poser ce qu'il y a dessus parce que c'est magnifique. Alors déjà, on commence avec un très gros classeur, donc Trading Card Game avec Ronflex, Evoli, Mewtwo, Léviator, Raichu. Alors ça, on va l'ouvrir après. Ensuite, il y a un petit sachet. Alors, hop, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Donc, un petit sachet. Alors, il m'a mis un peu tout ça à l'arrache. Alors, n'importe comment. C'est pas grave. Donc, on va voir. On va sortir un peu. On va tout sortir. On va tout sortir. Il y a pas mal de trucs. Il y a des cartes, des figurines, il y a des jouets. Il y a un petit peu de tout. Il y a des belles choses. Il y a des très belles choses. Alors, on va commencer avec ce que j'ai dans la main. Donc, hop. Alors, là, j'ai des jetons. Des jetons, des figurines Tommy. Donc, c'était vendu dans les paquets français, pas japonais. Alors là, j'ai des figurines japonaises. Donc là, il n'y a pas de jetons. Et donc là, c'est des jetons. Donc on a Salamèche, Bulbizarre, Otaria, Reptincelle, Pikachu, Florizarre, Dracolos, Nidoking, petit focus pour Dominique. Voilà. Léviator. Mew, ah c'est cool ça, c'est cool, j'avais la figurine aussi. Mew, ça c'est autre chose. Alors, Herbizarre, Starry, Dracaufeu, Mewtwo, Kaninos et Raichu. Donc ça c'était les jetons. En plus, un jeton Wizard du TCG. Le Vénard. Donc on avait quelques jetons, quelques petits pogs, ça c'est pas mal, des jetons de... Je crois pas que j'en avais des jetons Wizard. Enfin pour les Tommy. Peut-être un ou deux qui traînaient, mais... Ensuite, il y avait un petit lot. Donc un petit lot de cartes... De cartes tops. Alors ça c'était surtout du bonus. Donc Meowth, Spectrum. Tadmorph, Noix de Coco, Scarabrut, Magmar. Tiens, encore une petite référence à Dominique. Voilà, avec les cartes des îles oranges du dessin animé. Pyroli, donc une dédicace à Justine. Une petite dédicace à Justine avec Pyroli. Un sécateur. Galopa. Sacha, Ptera, Sulfura. Tiens, c'est drôle parce que Sulfura, c'était la toute dernière tops qui me manquait. Je l'ai dû la prendre à l'unité sur eBay. Et c'est rigolo que je la trouve maintenant. Draco, Métamorph, Electrode, Voltorb, Gros Tadmorph. Encore un épisode des îles Oranges. Kabuto. Magikarp. Ah ça c'est cool parce que je me semble que je l'avais pas en double pour ma collection de cartes Magikarp. Donc ça je vais la mettre de côté. Alors là une carte avec un Ronflex, dédicace à Yoru TCG. Tauros. Oh elle est cool celle-là. Donc ça c'est l'épisode le vaisseau fantôme. Donc des îles oranges. Et je trouve que cette carte est magnifique. Je vais la mettre de côté aussi.
Hop. Encore un épisode des îles Orange. Kabutops, Kangourex, Léviator et Magneton. Voilà. Ensuite, on va montrer les figurines. Tiens, j'ai oublié. Il y avait un autre jeton, c'était Togepi. Donc, on va montrer les figurines Tommy et les jouets. Et après, on va passer aux cartes. Alors. Donc forcément, les figurines, on va. Enfin, les jetons sont. Quasiment tous les jetons qu'il y a sont en figurines. Ça, c'est cool. Donc, Caninos. Alors, ça, c'est magnifique. Et c'est un Tommy. Donc, dédicace à Morgan Shaw. Un Noctali. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai un Pikachu. Donc, avec un trou. Alors, tout ça, c'est des Tommy. Hein, c'est des vrais Tommy. Donc, Mew. Donc, c'est mon troisième Mew. Ça, c'est cool. Nidoking. Il y a beaucoup de dédicaces à toi, Dominique, dans cette vidéo. Hein. Alors, Dracolos. Et ça, c'est cool. Parce que Dracolos avec les deux antennes. Et ça, quand j'ai vu ça sur la photo, j'étais vraiment cool. Parce que, bon, moi, j'en ai déjà un avec les deux antennes. Mais c'est assez dur à trouver dans ces états-là, Dracolos. Et du coup, bah, ça, c'est vraiment cool. Donc, encore un Raichu. Enfin, j'en ai plusieurs des Raichu. Voilà. Je fasse pas de bêtises. Léviator et Otaria. Alors, je suis pas sûr, à part le Noctali, je pense que je les avais déjà toutes. À vérifier. Donc, là, on a. Alors, ça, elle aurait pu les ranger. Hein. Je vais faire les nœuds là. Non, c'est bon. Donc, on a un jouet. Donc, on va montrer comment il se joue. C'était un jouet à l'ancienne. Alors, hop. Donc, on mettait la figurine et on appuyait sur le petit bouton. Donc, je vous montre le jouet. C'est une Game Boy avec un fil et une sorte de pôle. Avec un compartiment pour ranger une figurine ou quelque chose. Et donc, on faisait comme ça et on faisait. Et ça marche pas. Alors, celui-là, il marche pas bien. On va tester l'autre. Et voilà. Donc, je vous remontre. On met donc la boule ici, le petit clic, on appuie et ça part. Voilà, c'était un petit jouet à l'ancienne. Donc sur le, il y a le logo un peu Master Ball. Enfin voilà, c'est le petit jouet sympathique. Donc le dernier truc, c'est une Pokéball, donc une Master Ball vu la couleur et avec un Mewtwo dedans. Donc, oula, je suis à côté. Attends, on refait. Donc, hop, avec un Mewtwo dedans, il a un trou pour le mettre. Donc, j'avais déjà des Pokéballs comme ça, mais pas en mode bah, Master Ball avec la petite dragonne et tout. Donc, ça, c'est vraiment des balls que je trouve les plus réussites. J'en ai dans ma vitrine qui sont vraies. Voilà, ça c'est à peu près le même modèle de figurine que je trouve les plus réussites en Pokéball. Donc ensuite, il y a un sachet. Ça c'est le sachet mystère. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais même pas comment il a réussi à rentrer ça là-dedans. Donc je vais devoir faire sortir les cartes. Je pense que je vais carrément déchirer le sachet. Hein. Alors, hop, on a un paquet, on a un deuxième. Et voilà. Donc on va découvrir ensemble ce que contient ce lot. Alors, on va faire en deux fois. Hop. Alors, on a donc Pyroli Obscur, donc encore une petite dédicace à Justine. Oh là là, il y a des belles cartes. Direct. Voltali Holo Jungle.
Voltaliolo Jungle. Une petite dédicace à Morgane, même si on l'a déjà faite. Donc, des cartes gym. Après, Hypocéan, Rhino Féroce. Donc, Hypocéan, Rhino Féroce abîmé, édition 1. Machoke, Chétiflore, Abra, Titar, Léo, Goupix, Krabos, édition 1. Kadabra, qu'on ne verra plus jamais après Skyridge, je crois, Skyridge. Donc Lula, Nosferapti, Ponyta, Electrode, Flagados en rare, Misterbe, Abo, Mimigal, Abra, Hippotramp, Tetart, Dresseur, Miaouss, Énergie. Ça, c'est des cartes à l'ancienne. Alors là, Voltali Obscur. Ça, c'est bien parce que j'ai des gens qui le cherchaient. Je vais pouvoir le mettre à l'échange. Ah, c'est dommage qu'elle est en anglaise, mais c'est une belle carte, hein. Donc, putain, j'ai un trou. Tiens, encore une autre. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a des holos là. Où il y a des holos? Alors, Fenard, US, set de base. Mewtwo, US, set de base. Melodelph, holo, française. Evoli, là on a un gros tas de morve. Evoli, Salamèche. Pas mal d'énergie. On avance un peu. Smogogo édition 1. Hypocéan, Tentacool édition 1. Nosferapt édition 1. Bon après il y a beaucoup de doubles, hein. Beaucoup de dresseurs. Donc, mince, où j'ai mis les holos. Donc là, hop, on a des belles cartes en haut. Alors, le deuxième paquet. Il contient donc des énergies. Alors là, on a du Macronium. Et pourtant, donc là, il y a du Néo, c'est pas mal. On croise les doigts. Tiens, je crois que c'est là, il fallait que je la remplace. Machoke, Ponyta, oh là là, Aqualie, Pyroli. Donc on a un Aqualie Holo Jungle. En plus, les cartes sont dans des bons états. Hein. Bon, elles sont pas neuves, mais elles sont proches. Hein. Psycho-Kwak, Krabi, Fantominus, Ponyta, Dresseur. Encore du Néo. Oh là là, ça c'est beau ça. Magneton Obscur. Alors, c'est pas une Holo. Petit Focus. C'est pas Lolo, mais c'est une carte que je n'avais pas. Donc c'est bien. Ammonistar, Xatu, Chouinette. Ah, je vois qu'il y a une belle carte qui arrive. Alors Reptincelle, ça c'est une belle carte aussi de roquette. Kaiminus, Simula. Elector édition 1, non holo. Donc je crois que je l'avais pas en non holo. Ramolo. Ouh, Pikachu Surfer! Oh là là, ça c'est beau. Pikachu Surfer dans un état, mais carrément mieux que celui que j'ai récupéré. Ça c'est good Pikachu Surfer. Donc promo Black Star. Alors, énergie. Ah, une énergie obscure de Néo. Donc une énergie rare. Il n'y a pas d'autres perles. Une belle carte de Machoper Obscur, Pikachu, Tournegrin, Mewtwo Holo en français cette fois. Donc il y a en anglais et en français, ça c'est bien. Un Kabutops Holo édition 1, ça c'est bon aussi. Donc je vais regarder le dos. Elle a un joli dos, hein. Elle a un joli dos. Hop. Ensuite, Kaiminus, Rattata Obscur. Donc là, on a un Mewtwo Black Star. Donc ça c'est pas mal. Je l'ai en plusieurs fois, mais c'est pas mal. Donc en carte intéressante, hop, je vais mettre ça là. Et le dernier, alors le dernier, on va passer sur le bureau, je pense, directement pour regarder.
parce que c'est pas très stable là où je me suis mis. Donc le dernier truc, c'est un album. Alors, un album Wizard, donc qui promet du beau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le clou. Donc on a Alakazam, donc anglais, Alakazam US, Tortank édition 1 française, Le Vénard français, Dracaufeu US. En US, Mélofée en US, Léviator édition 1 en française, ça je l'avais pas, Tignon française édition 1, Macogneur, bon, édition assez normale, Magnéton. Ensuite, on a, oh, il y en a une autre que j'avais pas, c'est bien, encore un Mewtwo, donc français, donc un Nidoking US. Fenard en français, donc pas édition 1, c'est dommage. Tetart en US. Raichu en français, édition 1, c'est cool parce que je ne l'avais pas non plus dans cette édition. Elector édition. Non, Elector US. Dutton Tardagnan, Draco. Trépupiqueur édition 1, Electek édition 1, Electrode édition 1, donc ça c'est les rares. Recoupe c'est l'édition 1, donc il y a quasiment toutes les rares en édition 1. Arcanin édition 1. Donc là c'est le set de base avec des. C'est quasiment le set de base complet. Il y a beaucoup beaucoup d'éditions 1. Donc ça c'est bon. Magikarp édition 1, c'est bien. Il m'en fallait un deuxième. Nidorino édition 1. Donc après. Bon après c'est les Communinco, hein. Donc il y a toutes les Communinco en édition 1 presque. Donc ça c'est bon. Alors dans les dresseurs, Peluche Mélofée, donc elle n'est pas édition 1, c'est dommage. Recherche informatique édition 1, Vaporisateur édition 1, hop hop, Fillette édition 1, édition 1, édition 1, édition 1, ça c'est bon. Édition 1, édition 1, ça c'est bon, ça dans les rares, il y a quasiment toutes les rares en édition 1. Je vais pouvoir compléter mes cartes. Ah, il y a une belle carte là, je vois. Donc ça c'est la fin des dresseurs celle de base, donc avec bah, que d'édition 1, donc c'est cool, hein. Je vais pouvoir compléter mes cartes édition 1. Donc là j'ai l'énergie multicolore en édition 1, et donc là il y a une, alors on va la sortir, une ancien Mew, donc Mew, elle est un petit peu abîmée, mais c'est bien, ça c'est ma quatrième. Donc, Mew égyptien. Alors là, on a un low class holo. Ça, c'est bien. Et après, je crois que c'est que des énergies. C'est dommage. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Avec des énergies édition 1. Pour... Donc, s'il y a des gens intéressés, contactez-moi. Voilà, j'ai plein d'énergie set de base édition 1. Du coup. La vidéo a coupé parce que j'avais plus assez de place sur le téléphone. Du coup, on reprend tout de suite. Je disais que c'est dommage, il n'y a pas de holo des sets Néo. Il y a quelques cartes Néo, mais pas de holo ni de rares. C'est dommage. Mais bon, c'est quand même un joli lot. Dommage. Enfin, après, il y a beaucoup d'US, c'est un peu dommage, mais il y a pas mal de bonnes cartes. Donc, on remonte vite fait. Déjà, en tout cas, c'est pour ces bases-là. Voilà, après il y a pas mal d'éditions, hein. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous laisse sur cette place, sur cette page. Donc je vous fais des bisous, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des petits pouces, tout ça. Et donc à bientôt sur notre chaîne Team Pocket. Des bisous!